Eh bien, salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les gars, où on va parler gratuité. Puisque oui, messieurs, dames, un parapluie gratuit va bientôt arriver. Quand je dis bientôt arriver, je parle de demain. Ça y est, c'est demain, les gars. C'est demain, le 11 janvier 2024. La nouvelle année a changé. Il y a plusieurs choses qui vont changer, d'ailleurs, avec les futures mises à jour sur Fortnite. Mais surtout, une chose qu'on est sûr, c'est qu'il y a Fortnite Compétition qui nous ramène une belle compétition, donc la fameuse compétition Ranked, donc la Cup Ranked qui arrive demain, regardez. Et surtout, vous voyez qu'il y a, comme d'hab, plusieurs sessions pour pouvoir obtenir ce fameux parapluie gratuit que vous avez vu d'ailleurs en miniature. Eh bien, vous allez pouvoir participer en solo, en duo et en équipe de 4, donc section, pour pouvoir vous le procurer. Comme d'habitude et comme la saison dernière, vous allez avoir plusieurs sessions. Solo le 12, etc, etc. Vous voyez bien les jours, hein, d'accord. Donc vous voyez bien que tout ça, eh bien c'est disponible dans plein de modes, et surtout, plusieurs, on va dire, à plusieurs types de groupes différents, donc duo, solo, section. Et chaque, justement, type de jeu, donc de groupe, vous allez avoir un jour spécifique. Donc par exemple, vous voyez que les duos, c'est le 13 janvier, le 3 février et le 2 mars. Et ensuite, si on avance ici pour les sections, ce sera le 14, le 4 et le 3. Et donc, pour la solo, c'était justement, hop, le 12, le 2 et le 1. D'accord. Tout ça, bien sûr, c'est bien joli. Ce qui est bien, c'est que, justement, les différents justement, types de modes sont selon votre rang actuel. Rang actuel, par exemple, moi, on construit, si je mets Ranked, eh bien, je suis pas très fort. Je suis en or 2, si je ne me trompe pas, regardez. En or 2, 50 et quelques pourcents. Par contre, s'il s'agit maintenant de la 0 build, et là ça change tout, lorsque je vais en ranked, eh bien je suis déjà en champion. Donc pour le coup, messieurs, dames, nous allons avoir différents types de sections. Donc par exemple, dans l'onglet compétition, vous voyez bien qu'il y a des spécificités au bronze, au platine, à l'argent, à l'or, et le problème c'est que c'est diamant et plus. Donc en fait, tous les gens à partir de diamants se retrouvent entre les diamants 1, 2, 3, élite, champion et Unreal. Donc parmi les meilleurs joueurs de ces catégories-là. Donc vous voyez bien qu'à partir de diamants et plus, il y a le 1, 2, 3, le élite, le champion et le Unreal. Donc tout ce qui est côté droit de votre écran. Tout ce qui est côté gauche, c'est par spécificité de rang. Donc bronze, argent, or, platine. Et donc si vous êtes en bronze, vous allez vous battre que contre des gens qui sont en bronze. Donc très bas niveau. Pareil, argent, etc. Donc moi, je vous mens pas, j'avais pas envie d'attendre les cups pour pouvoir faire mes trucs de élite, champion et tout ça. Donc je suis déjà champion sans construit. Je vais continuer à grind jusqu'à la Unreal, logiquement. Mais j'avais pas envie d'attendre que la cup se finisse pour pouvoir grind, vous voyez. Parce que moi, je m'en fous, le niveau, c'est comme ça. Donc vous allez avoir, les gars, comme d'habitude, 75 points à effectuer pour pouvoir déverrouiller la récompense. Vous la voyez bien en haut. Un parapluie rare qui s'appelle le parapluie de l'ordre, pardon. Donc ce parapluie, justement, viendra gratuitement si vous faites 75 points. Il n'y a pas de limite de partie. C'est bien ce qui se passe dans les détails du tournoi ici. Vous pouvez faire autant de parties que possible pendant la fenêtre de 4 heures. Donc vous allez avoir 4 heures pour faire autant de parties que vous voulez, quoi, tout simplement. Et donc vous allez avoir ici les différents types de récompenses en termes de points. Si vous faites un top 1, vous allez avoir 67 points cumulés sur le total. Ce qui vous fera franchement pas mal de choses. Hein. Parce que 67 points sans avoir fait un seul kill, vous avez quasiment déjà le parapluie. Hein. Donc autant faire quelques petites games sympas avec des kills. Et en 2-3 games, c'est plié comme on dit. Alors pourquoi est-ce que c'est si important, les gars, ces parapluies? Moi par exemple, à mon effigie, là, j'ai vraiment un truc, c'est que j'ai tous les parapluies du jeu, tous les parapluies exclusifs, tous les parapluies personnalisables, les parapluies top 1, tous les parapluies du coup de toujours, depuis toujours. Et ce parapluie-là, il faut absolument que je l'emporte pour finir la collection et continuer surtout à la grind. Donc il m'en manque aucun, et autant vous dire que celui-ci, ça en fera un de plus. Dites-moi si vous allez participer et si ça vous enchante d'avoir un parapluie gratuit. D'après ce que j'ai compris, les gars, ce parapluie va être totalement personnalisable. Avec les rangs, ça veut dire que si, comme moi, vous avez déverrouillé, par exemple, le champion, vous allez pouvoir mettre la couleur que vous voulez de bronze, argent, or, platine, diamant, élite et champion inclus. Vous choisissez celle que vous voulez. Elle ne va pas garder seulement la couleur de champion.
Donc autant essayer de monter le plus loin possible pour ensuite pouvoir déverrouiller les couleurs que vous avez déverrouillées déjà d'avant. Donc si vous finissez élite, vous avez toutes les couleurs jusqu'à élite. Si vous finissez champion ou Unreal, vous avez toutes les couleurs jusqu'à champion ou Unreal. Voilà donc pour l'explication. J'espère que ça vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous allez participer ou pas les gars. N'oubliez pas de rester zen, surtout petit code créateur Telmo-Lopez. Et bon courage, ciao.